continuer notre petit let's play sur ce magnifique jeu. On avait fait le début. Merci Jamy. On s'est arrêté là-dedans. Moi j'avais été chasser plein de trucs. Je vois, c'est maintenant je peux pas. Le document. Ok, si je peux pas truquer le monolithe. Du coup pour ensemble, pour ce début, on va faire un peu comme le dernier live. Quand j'avais dit qu'il fallait que j'aille tout en haut, on va essayer d'aller tout en haut. Où est-ce que. Mais genre là ils peuvent me voir, pourquoi c'est rouge? Pourquoi c'est rouge, c'est quand il y avait des autres qui étaient venus normalement. Attends, ils vont pas me voir tout de suite. Du coup pour le début on va faire comme la fin hier, on va continuer un peu à zioter la zone. Hein. Et après on ira à l'attaque. Comme d'habitude je ferai mon petit live de environ une heure, une de 30 minutes. De ce texte fait l'éloge d'une victoire militaire. Mais il semble avoir abandonné quelque chose, pas loin. Ok, carte mise à jour. Ok, il y a un truc là, d'accord. Fais voir après. Oh oui, ok, il y a des petits caches. Ah, de toute façon, après, il faudra que j'aille là pour faire la suite. Sur un chemin vers en bas. Ok, ok. De toute façon, ici, je peux pas encore y aller. Après, on verra, mais j'ai pas encore la. L'amélioration de l'arc nécessaire pour le faire. Alors, par contre, ça. Grimper pour atteindre les branches les plus hautes. Après, je vais essayer d'atteindre les branches les plus hautes. Je vais essayer de le faire. Et juste. Et dire que j'aurais fait ou que j'aurais essayé. J'irai directement continuer le jeu. Du coup là pendant peut-être 5-10 minutes on va se balader vite fait. Et après on va quand même plutôt aller là. Comme ça sera fait, au pire j'aurai plus qu'à aller tout droit. Comme ça après on aura plus qu'à continuer hein. Ok, on va récupérer ça. Voilà, c'est important. Ça va nous servir à faire des flèches. Bon, même si là... Tu peux pas attendre le lapin. Il faut revenir un peu vite le lapin. En plus c'est vrai que dans le jeu on peut pas s'accroupir. Ah mais il donne des ailes celui-là. Ah c'est ce que c'est. Oh ok là-dedans. Il y a le petit tombeau. Ah je peux pas y aller, c'est quoi ça? Ah oui du minerai. C'est vrai qu'il y a du minerai. De magnésite. Utiliser le minerai pour fabriquer des munitions. Ok mais de toute façon là, je peux pas. Parce que de toute façon j'ai pas le. Il me faudrait un jack ici, c'est un pompe qu'il me faudrait. Je peux pas faire des munitions sur moi, genre là j'arrive, je fais des munitions. Mais c'est chiant d'être au feu de camp pour faire des munitions, non? Ouais, je vais être obligé, d'accord. Du coup, ça mène aussi en bas, je sais pas trop. Je pense qu'il y a deux entrées possibles et. Ok, ok. Du coup, comme d'habitude, on va faire environ 30 minutes de jeu minimum. Après, si le jeu, on finit pas une certaine phase avant les 30 minutes, bah c'est pas grave, on continuera. Mais on fait une limite de 30 minutes minimum. Dès qu'on a 30 minutes, on essaye d'arrêter. Comme ça, ça fait pas quelque chose de trop long. Et puis, c'est pas mal, quoi. Donc, on va aller au feu de camp. On va même se faire des petites pièces, là. Bah, des petites pièces, plus con. On va se faire des munitions. C'est l'habitude de Last of Us, en fait. Tac, 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 inventaire. Munitions. Des petites flèches. Voilà, on se met comme ça. De toute façon, le bois, ça va pas être le plus dur à récupérer. Du coup, faut essayer d'aller à l'arbre la plus. À la hauteur la plus haute, en fait. Ça va être ça, mon défi. On va quand même aller récupérer ça. Ça, c'est quoi? La grotte. Ah oui, à la grotte, je pourrais y rentrer. Ah oui, pour après chercher le document là. Ah oui, d'accord. Ok, ok. On va y aller. On va toujours essayer de. Monter. Oh, genre là le saut je vais arriver à faire. Ouais. Allez fais moi le saut. Nickel. Rattrape toi. Oh non mais genre il a pas réussi. C'est quoi ça? De toute façon je peux grimper là au pire. Ah non attends. Faut plutôt faire ça comme ça. Du coup ça s'accroche au tout petit truc. Ah non même pas. Nickel. Oh attention. Bah quelle maninelle. Voilà. Prends celui-ci, nickel, allez on monte. Après, c'est chaud d'aller tout en haut ici en vrai. À part si en allant ici, il y a un truc en plus que je dirais non. On va récupérer la petite plume. D'accord, à tirer là cette fois. Ok, bon on va aller directement en bas. Alors attends. Tac tac. Voilà monte. Oula oula, autant sortir de mourir.
façon, toujours comme j'ai dit, comme le jeu, je compte le faire à 100%, je compte le platiner. Du coup, on va beaucoup papillonner dans le jeu, hein. On va prendre mon temps, on va tout explorer. Je vais pas faire le jeu très très rapidement. Même si je pense pas qu'il soit long, hein. Mais je vais papillonner et... Ok, là on peut descendre. Voilà, attends, voilà, on récupère les petites pièces qu'il y a là. Ça nous servira pour faire des niveaux pour améliorer, je crois. Mais après, ça devrait servir à autre chose aussi. Enfin, juste l'entrée de la grotte. Allez, ici, d'accord. Alors, est-ce que. Oh, je peux entrer dans cette grotte, c'est bien ça. Voilà. Peut-être que le bâton de polymère, ça change tout à l'heure, il était bleu. Après, c'était pas dans la même zone aussi. Et là, il est rouge, c'est sympa. Ça change. On va récupérer un peu du minerai de magnésite, je sais plus c'était quoi. Quand ça parle, bien sûr, le je me tais. Le prophète et ses fidèles voyagent à la faveur de la nuit, suivant un tracé tortueux qui longe la frontière de l'Empire byzantin. J'ignore où ils vont, mais je les soupçonne de ne pas le savoir non plus. Ils savent que nous les poursuivrons jusqu'à ce que cette hérésie prenne fin. Les paysans qui habitent la frontière acceptent de l'héberger, et curieusement, tous ceux qui l'ont aidé refusent de me dire ce qu'ils savent. J'ai beau les menacer de la colère des Trinitaires, ou leur mettre le couteau sous la gorge, ils gardent le silence. Ils meurent sans jamais le trahir. Le prophète exerce un étrange pouvoir sur les gens. Raison de plus pour l'éliminer. D'accord. Du coup, moi, toujours dans la cinématique, je coupe les micros et quand ça parle comme ça, je mets juste plus loin. Et puis voilà. On récupère ça. C'est tout la grotte, y'a que ça? Ça me paraît bizarre. Bah, c'est bien. Après, c'est peut-être dans ces endroits. Ouais, c'est dans cet endroit-là. Et du coup, j'irai chercher les minerais. Ils me serviront pour améliorer mon armure, mes armes. Ça respawn ou. Assez vite? Ou c'est juste moi qui l'avais raté tout à l'heure? Je suppose que ça respawn. Comme les. Passer par là. Ah là il me faudrait un arc avec du. Où est-ce que ça flambe? Ouais, ici il faudrait un arc où est-ce qu'il y a du feu, genre quand tu mets le briquet. Et... Du coup j'ai plus rien, ok. Du coup je peux. Ouais, du coup ça respawn. J'ai dû le rater, on va dire. Du coup voilà, ici c'est bon. Mais du coup j'ai plus rien à récupérer parce que là-bas je peux pas. Et je vais juste essayer d'aller tout en haut. Du coup peut-être que tout en haut. Alors attends. Comment pourrais-je aller tout en haut? Attends, on va prendre ça là. Je crois que cette tyrolienne là va nous aider. Bah, cette tyrolienne, ce câble. C'est peut-être un grand mot, tyrolienne. Attends, autour, alors attends. Genre, ça va être tout en haut là par exemple. Ça me paraît bizarre. Ouah, à moins que ça soit la suite. Hein. Après, comment tu veux que je. Que là, après, il y a là qui est un peu plus haut. Comme ça. Là-bas, ah, là-bas, ça a l'air un peu haut, hein. Ouais, mais là-bas c'est juste par aller à un endroit. Hein. On va aller voir vite fait. Attends, comment je vais là-bas? Là-bas c'était avec des sauts que j'y étais allé. Là, c'est qu'on va redescendre tout de suite. Alors, attends, ici j'y suis allé. Ok, avec la branche d'arbre. Moi qui à l'attaque. Et moi que je peux monter haut. Avec ça là. Tac tac. Vas-y, monte. Saute, vas-y, va de l'autre côté. Ah là, il tombe pas. Ça fait très Black Flag comme ça, hein. J'aime bien. Ah oui, ah non, ah oui, je crois. Ah bon? Allez, genre, faut que je saute pour continuer. Ah bah d'accord. Ah oui, c'est. D'accord, du coup, il y a un peu cette mécanique là, c'est sympa. J'aime bien. Alors attends, vas-y, monte. Bah, Déo, tu vas te calmer, mec. Et boum. Voilà, alors du coup avant que j'atterrisse en bas faut que je fasse un petit saut. Genre là t'es arrivé. Ah je peux pas mais comment je fais? Genre juste monte là. Ou juste en gros tu vas là-bas et après tu ratterris là. Je pense que c'est plus ça. On va pas perdre de temps, on va faire la suite. Et bah ça de toute façon on verra hein. Parce que là pour l'instant je peux pas trop. J'ai pas envie de prendre trop de temps juste pour ça. Je ferai ça quand à la fin, quand j'aurai fini le jeu.
Elle vous ralentit et empêche certains mouvements. D'accord. Alors attendez, tac, allez, bon, on va toujours aller tout droit. Ah, on va aller à droite quand même. Voir ce qu'il y a. Ouais, ça va être à droite. On récupère ça. Faut faire gaffe parce que du coup il y aura des. Des trinitaires, c'est ça le nom. Pas trop loin. Attention. Tiki Walki. On va pouvoir aller à droite. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu ou c'est normal? Ça fait pousser à l'ours qui était trop chiant avec Narnia, avec Narnia chapitre 2 sur PS2. Il y avait un ours quand même, c'était trop dur à battre. Ah là c'est plus normal peut-être. Ah non. Bah comment je fais? Faut que je saute de branche en branche ou ça se passe comment? Là, je vais là et je fais un saut et tout, non, même pas. Alors, faut juste que je fasse des roulades. D'accord. Vas-y, dégage de là, je te défonce. Je sais pas pourquoi je vais faire ça. Oula. Oh non. Oh, t'as pas toujours la chute. Bien évidemment. Ça va. Toujours le même site de chute. Ok. Lara, toujours pas décidé à entrer par la porte, hein? Mais ça va plus vite par là, papa. Viens par là, espèce de petit singe. Est-ce que tu t'en vas pour une nouvelle aventure? Oui. La plus importante de toutes. À partir de maintenant, je t'annonce que je serai ton assistante. Oh, tiens donc. Eh bien, ma chérie, tu sais que j'adorerais t'avoir comme assistante. Mais ce travail est beaucoup trop dangereux. Lara, écoute-moi bien. Je pense qu'un jour, tu marqueras le monde de ton empreinte. Je serai le plus fier de tous les papas. Tu m'excuses, ma chérie, je dois répondre. Ah, petit souvenir. Ok. Écho du passé, bien sûr. Oula. Alors, je peux monter là? Ouais, faut pas. Ok, du coup. Ok, faut essayer de trouver des petites plantes. Du coup, là, je suis toujours. Ok, je suis ici. D'accord, d'accord. Bonne nickel, j'y suis. Ça m'arrange. On va se guérir. On va récupérer les petites baies. Bon, les feuilles. Il faut quoi faire un bandage. C'est bien parce qu'en fait on voit les baies, on veut prendre les feuilles, mais c'est les baies qui disparaissent. Alors, attention, plus de baies, mais encore des feuilles. Très malin. Ah oui, t'as, y a un vrai truc là-bas. Hein. Oula. Cette installation date de la guerre froide. Qu'est-ce que les trinitaires mijotent là-dedans? Ça joue. D'accord, ok. Encore des ruines mongoles. Ce chemin a l'air d'aboutir de l'autre côté de la grotte. Je vais devoir affronter cet ours. Bon, on va te défoncer cet ours, mec. T'inquiète même pas pour ça. D'accord, ok, du coup là. Ok, du coup là-bas. Oula. Pas mal, hein. Pas mal le décor, hein. Ça va, c'est pas mal, hein. Oh, j'aime bien. Ouais, pas mal. Allez, go. Voir en bas. Faut pas voir en bas. Allez, on retourne en arrière. On va aller défoncer ce petit ours là parce qu'il est pas très, il était pas très très sympa. On va l'éclater. Du coup, c'est vrai qu'on est déjà soigné. En deux secondes. C'est bon. Ces champignons, ce sont des amanites tumouches. Parfait pour faire du poison. Ah, bien. Quand j'ai fait ça, quand elle a dit ça, j'ai eu peur qu'elle voulait les manger. Ah, j'en ai deux cette fois. Oh, trop bien. Le petit piolet là. Récupère-moi ça là. Les matériaux, bien évidemment. Alors attends, juste. Pendant qu'on est là, on en profite. Non. Ok, je peux pas. Et oui, du coup, c'est ici.
qu'on atterrit ici. D'accord, voilà. Tout simplement. Ok, ok. Heureusement que j'ai pas cherché plus longtemps. Oula, attends, par contre, c'est moi. C'était le tronc. Ouais, c'est le tronc que j'ai vu comme ça. Ok. Ça, du coup, j'ai toujours rien. Faut que j'aille là. Ah, mais c'est la grotte où je suis allé tout à l'heure en fait. Mais je pense que c'est plus tard qu'on pourra monter tout en haut des branches. Je pense qu'on n'a pas encore le matos. Bah, quoi, ici, bah, j'y suis allé un peu en avance du coup. Ah, donne-moi le champignon, nickel. Ok, après, bon, on va quand même descendre. On va voir si les minerais ne restent pas respawn. S'il y aurait d'autres champignons en plus. Bon, du tissu empoisonné, hein. Non, pour prendre l'échelle, ouais, trouver des tissus pour. Ah, ok, ok. Du coup, fais voir, est-ce que. Ça a pas l'air de respawn les matériaux. Bah, les minerais, ils ont pas respawn encore. Du coup, le tissu, on va récupérer ça sur les animaux ou on va partir comme de par hasard. Allez. Je suis vraiment nul. Du coup, ça, je peux pas en faire quelque chose par hasard. Je sais pas trop à quoi ça sert, ça. Y'avait quoi, là? Y'avait quoi, ici? C'est la suite. Ah, c'est l'autre suite. Ah, bon, on ira après, hein. Ah, là, c'est la vraie suite, moi, je suis con. Ah, le tissu. Ouais, bah, comme de par hasard, il y en a là. Je devrais pouvoir faire quelque chose avec tout ça. Ok, du coup, on va retourner au campement. Voir ce que je peux faire. Pour voir ce que je peux faire. C'est elle qui a dit ce que je disais, pas l'inverse. C'est un peu un perroquet, la rage, je trouve, quand même. Allez, du coup. Bah, attends, je suis passé où? Elle est là, le con. Oh, les petits champignons sur les tombes. Ça, c'est bien savoir, ça. Tant que c'est pas le champignon qu'il y a de Last of Us, ça va. Allez. Fabriquer des pièces empoisonnées dans le menu inventaire. Ok. Non. Ah oui. Ah, d'accord. On va fabriquer ces trucs-là, il manque. Ok, d'accord. Sauf que celle-là, ces pièces-là. Ah oui, donc en fait, ça, c'est des pièces silencieuses. D'accord. Mais par contre, du coup, elles ont pas besoin de bois. Je sais pas si c'est logique, mais elles en ont pas besoin. Alors du coup, par contre, dans compétences... Attends. Fabriquer les produits lumineux rapidement... Tuer à terre des objets transportant les... Attends. Les ennemis tués mais à terre pour des objets transportant fabriqués font gagner plus d'XP, on s'en fout. Ah, plus d'XP, c'est quand même... Ouais, mais... Ah, tes ennemis tués, ça peut être pour... Ouais, peut-être. Fabriquer des bombes, on s'en fout pour l'instant. De ça et trouver les défis plus facilement grâce au bois. Ça, c'est pas important. Ça que je préfère R1, c'est plus rapide. Vous avez la chance de récupérer vos flèches, on s'en fout. L'arc stabilise, augmente, on s'en fout. La quantité de munitions, ok. Et les animaux brillent, ouais, mais je sais pas trop. Moi, je serais plus pour faire du survivant. En vrai, je vais mettre ça, ça fera plus d'XP et au bout d'un moment, on sera plus content. Moi, bon, pour l'instant, je mets tout sur l'XP, comme ça, après, on gagnera plus d'XP. Et comme ça, on gagnera plus de points de compétences rapidement. Et tôt, du coup. C'est plus là que je peux améliorer. Grâce à sa poignée, machin, le coup, l'arme tient mieux à la main lors de combos hors de corps à corps avec deux armes, blessant les ennemis. Okay. Bon, ça améliore. Sympa. Bon, de toute façon, la tenue, on va garder la nôtre. Hein. Et puis voilà. Du coup. Faut que je me repose. Fais dodo. Je l'ai épuisé. Non, vous allez m'écouter. Cette découverte est beaucoup trop importante. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ma réputation? Ne vous avisez pas de me menacer après tout ce que j'ai fait pour. Allô? Allô? Papa, qu'est-ce qui se passe? Imbécile! Tu me fais peur, papa. J'y suis presque, Lara. À deux doigts d'une découverte capitale. Un jour, tu comprendras.
Mais je m'en fiche, moi, de comprendre. J'ai juste envie que tout ça s'arrête. Et que tu redeviennes mon papa. Attaque! Que se passe-t-il? Allez, on les tient! D'accord, d'accord. Arrête-toi pas, tu vas mourir. Bah non, c'est la meilleure, elle est défoncée tous un par un. Ah bah y'a plus de flèches! Ah bah Katniss, elle est. Bah. Ah, ça fait rien, Katniss. Hein. Et là, Lara arrive, boum, non? Descendez là! Dommage. Putain. Où est-ce qu'on se cachait? On pouvait savoir qu'on n'était pas là. Hein. Je vais on s'est caché dans un arbre. Et là, on est tout dessus. T'as l'air d'assassin. À toutes les équipes, bon rapport. Où est-ce que vous en êtes? À vous. On a trouvé un autre campement ici. Qu'est-ce que j'ai dit? Comment je fais un assassin aérien? Boum! Dans ta gueule. Allez, récupère. Allez. Il faut y être regardé pour vous ravitailler, d'accord. Commandement, on se déploie pour retrouver la piste. Bien reçu, mais apparemment ils se sont repliés. Notre objectif principal est de retrouver... Voilà, toi aussi tu meurs. Donne-moi tes trucs là, il est où? Ok. Parle à un mur, ah bah effectivement il parle à un mur. Mais j'ai vraiment récupéré ce qu'il avait. Non, du coup pour l'arc... Ah, et du coup, genre, en gros, si je fais ça et je fais R1, ça prend la flèche. Et si je fais R2, ça prend la flèche, d'accord. Ça, je voulais savoir tout à l'heure. Bah, attends, je peux pas me faire un truc vite fait, du coup. Ah, renter. L'arc. À tous les arcs. Ah, il y aura plusieurs arcs. D'accord. Une corde d'arc enveloppée de peau autour de l'encoche réduit la tension dans les doigts et vous permet de maintenir la corde plus longtemps. Bah nickel. Bah, au lieu d'avoir la compétence qui fait ça, c'est mieux d'avoir ça. Et voir du coup. Bon, on va dire ok. Fouillez les grottes pour ou battez-vous contre les trinitaires pour y parvenir. Ok, ok. Merde. Passez le message. Les natifs ont posé des pièges dans la clairière. Ils savaient qu'on allait se lancer à leur poursuite. Putain. Récupère les petites becs quand même. N'oubliez pas, ils nous ont bien eu. Ils sont toujours là. Et voilà. Dégage de là. Voilà, un. Défi réussi, ni vu ni connu. Ah, vous avez vu comment je suis trop fort, j'ai réussi le défi. Les crédits récompenses et pourra utiliser ces crédits pour acheter des lots de cartes dans le magasin. D'accord. Et ça sert à quoi les lots de cartes en fait? Genre on a de meilleurs équipements. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe, mais oh, j'avais ouvert des cartes. Mais là, elles me servent à quoi les cartes que j'ai ouvert? À part à rien. Ah, rien du tout. Bon, je sais pas. Je verrai dans mon côté. Je pense. Mais est-ce qu'il y aura des nouveaux trucs qui vont spawn? Absolument pas. On va continuer. Prends la radio et essaie de joindre le côté. Dans leur dernière. Personne ne me voit pour l'instant. C'était une embuscade. Ils voulaient qu'on s'éloigne du complexe. L'équipe d'Orko avait tout faux. Ils sont deux.
Là-bas, il y a un gars, on va plutôt se faire swaquer là-bas. On va faire le tour. Du coup, j'avais l'impression qu'il n'y a pas besoin de rester accroupi dans le jeu, j'ai l'impression. Attends, il est où là? Ne te retourne pas, ne te retourne pas, ne te retourne pas. Clac! Ah bah lui, bah, il va les fermer pendant longtemps, c'est sûr. Nickel. Personne d'autre pour l'instant. Non, ça a l'air d'aller. Alors, les gens qui sont là. J'ai l'impression qu'il vaut mieux que je ferme les flèches. Bah que je charge les flèches. Ah bah du coup il est là, donc le moment qu'il fallait que je récupère depuis 10 ans là. On se prépare. J'ai pris le premier vol pour la Sibérie afin de sécuriser l'ancien complexe soviétique. De nouveaux arrivants font constamment leur apparition. Pendant le discours que Constantin a fait pour les nouvelles recrues, je suis resté en... J'adore l'entendre parler, je m'en lasse pas. La foi n'a jamais été mon fort, mais uniquement parce que les mots n'avaient aucune prise sur moi. Là, ça n'a plus rien à voir. Il révèle la vérité. J'étais un homme brisé, mais la Trinité nous a rendu ce qui nous manquait, une raison d'être. Un monde nouveau nous attend. Même les non-croyants auront leur rôle à jouer. Bah du coup, heureusement que j'ai pas pu chercher que ça les... Comment dire, les... Ah oui, les potents. Le document, parce que j'aurais pas trouvé de sitôt. D'accord. Mais ça du coup... Lâche-le. Bon, on va aller le tuer lui. Tout doucement. Vite avant qu'il se retourne, j'espère qu'il n'y a personne derrière lui. Attention, la liaison n'a pas encore été. Ah, dégage de là. Des interférences dans les transmissions. Du coup, est-ce qu'il n'y aura pas des trucs qu'on respawn dans cette petite grotte? Je sais que je force, mais je veux vraiment savoir en fait. Non, ça n'a pas respawn, hein. Non, pas du tout, d'accord. Allez, quand tu veux. Mais je suis censé en fait en faire quoi des bidons qu'il y avait au milieu là? Déjà après, on va mettre au point de compétence. On va aller au feu de camp, mais genre ça, je suis censé en faire quoi? Chercher une flèche dedans? Ah! On va faire ça de trop près. D'accord, du coup je me suis soigné. D'accord. Ah, en fait j'aurais pu faire ça pour les exploser en fait. D'accord, oui, je comprends mieux. Pour exploser les autres. Attends, juste mettre un petit point sur le feu de camp pour être sûr de pas le rater. Du coup, il est déjà 28. Bon, on va encore se combattre un peu, mais ça va. Juste un truc vite fait. Ouais, je suis censé me dépêcher, je prends mon temps. Ok, c'est pas grave. Voilà. Alors, bon, bah attends, la première compétence. Du coup, on va peut-être mettre ça dans le castagneur. Les attaques armées au corps à corps des ennemis affichent plus de dégâts. Fiche moins de dégâts. Ok, on s'en fout. Mais on fout pour l'instant, les gens en armure, les ressources. On s'en fout que ça soit automatiquement récupéré, honnêtement. Bah du coup, je serai plus en survivant encore une fois. Ça, on s'en fout. Ok. Bon, on va faire ça pour l'instant, je sais pas si c'est bien du tout. Bah sans pire, si nous à un moment j'aurais besoin d'un point de compétence, j'aurais facile. Du coup
qu'on va améliorer ça. Le tranchant infusé de lame permet de pénétrer plus avant dans les couvertures pour de mieux. Okay. Bon, en gros, c'est mieux. Allez, faut pas se faire chier. En gros, c'est mieux. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Hein. C'est plutôt sympatoche. Du quand on fait voir les petits bidons, je peux fabriquer la bombe là ou pas? Il y avait un délire avec les radios ennemis. Lui, le bidon d'essence. Ah bah oui, il a explosé en même temps, je suis con. Du coup, il va falloir qu'on affronte le petit ours. On va pas mettre le piège de poison pour ce rush, je pense. Ah ouais, il est encore là, lui. Est-ce qu'il y a des trucs dans cette zone? Pour l'instant, il n'y a rien. Ok, je peux zoomer. Putain, mais tu vas pas me dire qu'il va être tout au fond de la grotte, comme de par hasard. Non, je vais changer de côté. Pour se battre. Mieux vaut la attends, tirer dehors. Plus rien pour viser des nuages de... Ah, mais c'est un nuage de poison carrément. Ça devrait ralentir un peu. Allez. C'est lent. Oh, nickel, j'ai eu. Yes. Par contre, va vraiment falloir que j'améliore la cadence de l'arme parce que... Oh, c'est long. Oh là là. Quoi, lui, il doit me donner bien de manger, là. Hein. Donne-moi tout ce qu'il faut, là, comme ressource. Le lot de cartes récompense le progrès dans l'histoire qui peuvent être ouverts dans le magasin. D'accord, du coup, par contre, ok, juste comme ça, je peux refaire des munitions de ça, c'est bien. Du coup, juste R2. Ah oui, je peux faire des munitions rapidement comme ça, d'accord, au lieu d'aller au camp. Et bah voilà, c'est comme ça que je voulais savoir tout à l'heure, bah nickel. Ça m'arrange de savoir ça maintenant. Ouvre-moi tout. Il n'y a rien là-bas. Oh, on va déplacer le petit loup là. Voilà, merci pour tes petites fourrures. Ah oui, je vais avoir plein de trucs là, dans plein de pièces et tout. Ouais, pour améliorer les pièces de pistolet. Forcer des pièces de... ok, ouais, ça c'est bien, ça c'est vraiment le feu. Mais j'ai pas encore le pistolet par contre. Le prophète en fuite a franchi les limites de l'Empire et se dirige à présent vers le nord. Je suis désormais en terre inconnue. L'ordre de la Trinité a été clair. Je dois poursuivre le faux prophète et ses fidèles jusqu'où il le faudra et purger le monde de cette hérésie. Mais je croyais que je l'aurais rattrapé il y a des mois de cela. Il ne cesse de m'échapper. Il traverse le pays Khazar et les montagnes du Caucase. Ici, je perds mon avantage. Je parle une douzaine de langues de l'Empire. Mais dans l'arrière-pays, je n'arrive guère à communiquer qu'avec la pointe de mon épée. Le prophète, quant à lui, semble parler toutes les langues, comme si cela lui était inné. D'accord. Et bah en vrai je pense qu'on va s'arrêter là hein, comme ça après là en plus ça fait un petit truc. Du coup je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Juste un truc, si jamais vous avez des idées pour les titres, parce que je vais essayer de mettre des titres maintenant sur les let's play. Mais moi de base je suis extrêmement nul pour mettre des titres, c'est pour ça que j'en mettais plus. Mais j'essaye d'en mettre. Du coup n'hésitez pas à me donner des suggestions, parce que ça se trouve que j'aurais vraiment des titres méga nuls. C'est vraiment possible, même quasiment obligé. Du coup voilà, du coup n'hésitez pas à me donner des propositions. Du coup merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Allez dans le lien dans la description pour cliquer sur mon lien Twitch pour me follow, pour me suivre sur mes lives quand je les fais, et mes let's play, mes let's play surtout, et peut-être mes lives de crew, ça faisait bien ou quand je fais d'autres jeux. Et puis du coup voilà, du coup merci beaucoup de m'avoir suivi, ça m'a fait plaisir. Moi de toute façon je vais retourner la suite directement là, et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao tout le monde, bye bye, plus. Thank you.